Ah bien, et nous nous retrouvons donc pour le quatrième épisode. J'ai vu que j'avais presque plus d'espace libre sur mon disque dur, donc après cet épisode-là, de toute façon, j'arrêterai pour pouvoir pour en fait compiler les épisodes et puis commencer déjà à les uploader sur YouTube. Donc voilà. Identification compte. Ok. Alors, concentration, milieu, à gauche toujours, toujours à gauche, au milieu. Je te donne la chambre numéro 3. Je suis sûr que tu l'apprécieras. Il y a une magnifique armoire ancienne. Je te recommande d'y jeter un œil. Voilà. Alors assez intéressant. Voilà, c'est ça, c'est comment on peut donc lire des codes souvent sur des objets qu'on récupère. Donc D9, ça a l'air d'être un Q ça. Donc D9 Q5. Apparemment les codes sont générés aléatoirement lors des parties. Et je me souviens déjà plus du code. Est-ce qu'il me semble que c'était différent. Donc j'allais dans mes objets, la coude à barre espace, D9Q5. Alors je trouve ce système là pour taper les mots de passe très intéressant. Donc D9 Q et 5. Disons que c'est ça. C'est ça. Voilà, et ça je trouve ça super intéressant, la manière dont ils ont disposé les codes, c'est assez intéressant. Bon, après, ça vaut pas n'empêche, voilà, tu récupères le papier, hop, t'as le code. Ça serait aussi intéressant, mais bon. Mes amis, laissez-moi vous présenter Jade, notre nouvel agent. J'espérais que tu viendrais, un proche. Voici May, rédaction et diffusion de Iris, notre journal. Nino, écoute radio, transmission et colleur d'affiche infatigable. Salut. Sur ces écrans, tu peux voir la plupart de nos correspondants. Ils opèrent à travers l'univers sur plus de 13 systèmes différents. Tu connais déjà Belle Mirette. C'est lui qui a eu l'idée de te proposer le job, il savait que tu réussirais le test. Hé hé, bien sûr, ça crevait les yeux. Elle a du talent, la petite. Bien, écoute Jade. Les événements s'accélèrent. Une bombe d'hommes a explosé dans les canaux. Bien sûr, les sections Alpha ont bouclé le secteur et ont embarqué tout le monde. Pour les soigner, tout simplement? Aucun hôpital n'a reçu les victimes, Jade. Dès l'annonce de la nouvelle, le gouverneur d'Ilis nous a contactés. Elle est prête à nous aider, mais son QG est sous surveillance. Tu peux nous aider à sauver ces gens, Jade. Nino, fais-nous un point sur la situation. Voilà ce qu'on sait. Les victimes sont enlevées par des agents des sections Alpha. Elles sont ensuite acheminées jusqu'à la fabrique de neutrines. Les navettes prennent le relais jusqu'aux anciens abattoirs, puis chargement dans un croiseur militaire, direction la Lune. Nous ignorons ce qu'ils leur font subir. Aucun de nos agents n'est revenu de ces endroits sinistres. Il y a 4 jours, nous avons perdu la trace de double H dans la fabrique de neutrines. C'était notre meilleur agent et un ami. Double H devait rapporter des preuves du trafic des Doms. Ces derniers clichés sont terrifiants. Un mangeur d'esprit. Il faut reprendre la mission, Jade. Tu peux refuser. Continue. Nous avons besoin de preuves. 1. Tu t'infiltres dans la fabrique de neutrines. 2. Tu prends des photos des sections Alpha et de leurs victimes. Tu resteras en liaison permanente avec May. Elle diffusera tes clichés aussi vite que possible. Les gens doivent connaître la vérité. Moi aussi, je dois savoir. Je dois savoir qui dit la vérité dans tout ça. Bien, voici un City Pass officiel, fourni par le gouverneur. Il t'ouvrira certaines portes. Bonne chance. Bravo, Yad. Voilà, donc c'est ça le City Pass en fait qui permettait en fait de passer les sessions alpha pour qui m'ont bloqué tout à l'heure. Ok. Bon,
Ouais, juste une petite ellipse. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc je fais repartir le chrono. C'est parti. Voilà. Jade, si tu veux, je t'ai gravé un M-disque. Je te l'ai mis là. Tout y est expliqué en détail. Alors, le M-disque. Hop. Non, c'était le M-disque que je voulais. Merci. Les sections Alpha nous trompent. Elles sont contrôlées par les DOMS et profitent de la débâcle générale pour enlever des innocents. Grâce à WH, nous connaissons le cheminement des victimes sur Illys. 1. La fabrique de Nutril. 2. Les anciens abattoirs dans des navettes. 3. La Lune dans un cargo croiseur. Nous devons mettre un terme à ce cauchemar. Chaque preuve du complot nous apportera davantage de soutien de la part du peuple. Un soulèvement général nous permettrait de renverser les sections Alpha et de sauver des milliers d'innocents. Pour ça, il nous faut des preuves photos pour savoir ce qui se passe à la fabrique. Des photos des victimes, des photos des sections Alpha sans leur casque pour connaître leur vrai visage. C'est là que tu interviens, Jade. Tu reprends la mission de WH. Voici son dernier communiqué. 19h23, je suis dans l'enceinte interdite. 19h30, j'aperçois les navettes qui vont et viennent de la plateforme supérieure. 20h03, j'ai réussi à pénétrer dans la fabrique. 20h50, je suis épuisé. J'ai dû nager au moins 3 km. 21h10, je suis dedans. Ça y est, je vois les caissons noirs. Du bruit. Hé hey, quel... Apparemment, ils ont dressé un faucheur. La présence de cet animal et les rayonnements Sigma sont la preuve de l'existence d'un mangeur d'esprit. Ce sont ces derniers clichés. Depuis 4 jours, plus rien. Silence radio. WH était notre meilleur reporter. Il a fait énormément pour nous. Grâce à lui, le réseau Iris a pu entrer en contact avec le gouverneur d'Illys. Le gouverneur est radicalement opposé aux sections Alpha et à leur méthode, mais elle ne peut agir à découvert. Elle est prête à nous aider si, de notre côté, nous faisons progresser la vérité. Et si de plus en plus d'Illyens font confiance au réseau Iris. Si tu tombes sur une porte de ce type, photographie-la et envoie la photo au gouverneur. Son service d'expert essaiera de te trouver le code. Nous comptons sur toi, Jade. Sois prudent. Anne. Et voilà, donc une petite photo. Fais sourire. Superbe cliché. Ah, plus qu'une photo, c'est bon, ben je sais où la trouver. Jade, il faut que tu choisisses un nom de code pour signer tes articles. Shoni. Continue comme ça, et un jour, tu pourras sortir de ta propre coquille. Hop, par là, c'est par là que ça se passe. Il y a un truc ici à voir. Alors en gros lui il nous fournit un code quoi. Voilà. Et mais on pourra pas y accéder tout de suite de toute façon. Hop, voilà. C'est ça qu'il faut que je prenne en photo. Non, ça. Merci encore, Jade. Ok, ta pellicule est terminée. C'est bon, je te transfère une perle. Et je réinitialise ta pellicule. Hop, voilà, 5 perles. Il y avait autre chose à photographier, je crois. Ouais. Parfait. Je vais pouvoir lancer un backup. Par là, il n'y a rien d'intéressant. Ouais, non. Je pensais avoir vu quelque chose, mais en fait, non. Oh, Paige, tu viens t'en jeter un petit? C'est moi qui régale. Ouais, non, mais il n'y a rien d'intéressant à dire, de toute façon. Hop, 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 hop. Ça non. Hey, il fait un peu soif tout d'un coup, tu trouves pas?
Voilà, et maintenant que j'ai le City Pass, donc il me laisse passer. Alors ça, je m'en fiche. On est parti. Alors, lui, il a des trucs super intéressants. Identification compte. Ok. Ouais, je crois que lui, en plus, il fait partie d'une espèce non répertoriée, donc ouais, voilà. Bon travail. Et son poiscaille. Ok, je le répertorie. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il avait d'intéressant, lui, déjà? Ben, il a surtout, c'est la perle. La priorité, c'est la perle. Il a... alors, ça, c'est... la super attaque renforcée, même si je m'en sers très peu. Bravo, Yann. Détecteur de perles, ouais. Non, je peux pratiquement tout m'acheter, mais bon. Allez, hop. Je vois en fait ce qui est en priorité, mais bon. Bien joué. Le détecteur de perles. Ah ouais, non, c'est 3000 le détecteur de perles. Ouais, on va bien trouver quelque chose d'autre à photographier. Moi, je sais qu'il y a le détecteur de perles à récupérer. Mais les perles, dans l'ensemble, je sais où elles se trouvent, donc... Donc voilà, par là, ouais non, ça c'est non, c'est des Homo sapiens, donc c'est non. Je réfléchis, je pense pas vraiment avoir besoin de nourriture. Je pense que je vais pouvoir gérer sans. C'est moi, il n'y a plus de musique. Alors je sais aussi que comment quand je joue trop longtemps à ce jeu, j'ai des bugs de son. Donc on donc si c'est le cas, hein, je coupe, je reprends, hein, c'est pas un problème. Ah c'est bizarre, il n'y a plus aucune... Ah. Ah non, Homo sapiens, je comprends. Je sais pas, il avait une tête bizarre. donc on va... J'ai pas envie tout de suite d'aller commencer la mission. On va aller se faire un truc sympa. C'est les courses. Alors, souvent j'arrive bien à les gérer. Et de toute façon, donc en gagnant la... En gagnant la course, on... Comment? On récupère une perle. Ok, ouais, donc je vais me faire ça, là rapidement. Oula. Hop là. Con. Oh, premier. Bon, la première course est vraiment facile. Ah, galère. Par contre j'ai jamais réussi à avoir les records hein, mais bon c'est pas, je dirais c'est pas primordial quoi. Voilà, vous voyez je dépasse déjà ceux qui sont au tour précédent donc franchement je pense que pas vraiment de soucis à se faire. Incroyable, c'est le boss
Et il faudrait réussir en 59-30, j'ai fait une 6. Bon. Jeune, ton premier championnat. Tu les as laissés sur place. Là, on va faire la course 2. Histoire qu'on soit bien. Les trouillards, les gonzesses et les morveux. Je sais que j'ai assez de perles de toute façon pour continuer le jeu, mais bon, je préfère prendre de l'avance pour encore après. Donc voilà. Il reste 4 minutes de vidéo. On a le temps. 3, 2, 1, go ! Moi bien géré là. J'adore les musiques. Donc vous m'excusez, je parle pas beaucoup, mais je me concentre. Et puis je vous laisse écouter la musique de toute façon. Allez, j'en ai grillé 2. Oh merde. Oh c'est pas vrai, qu'est-ce que je fais? Ouais, je galère un peu là. Bon. Ah non, dernier tour, merde, ah, c'est bon alors. Bah c'est bon, c'est gagné. Ah, presque. Je sors au pire, je le garde dans le virage. Là. Allez. Ouais. Ah mais il me colle au basket. Bon, c'est bon, c'est bon ça. Je dois avouer que pendant un temps j'y croyais pas. J'avais mal compté les tours en fait. Perles. Oh bah on est assez confortable je trouve. Et on va pouvoir aller chercher les détecteurs de perles, mais je pense vraiment pas que ce soit nécessaire. Donc la course 1, course 2, donc de toute façon c'est bon. Les courses 3 et 4 on les débloquera beaucoup plus tard hein, parce que déjà ce n'est pas ici. On est prêt pour la troisième. Le circuit est juste attendez parce que là je suis un peu paumé. Ouais c'est par là. Ça crame là-bas! Les météores d'hommes vont traverser le bouclier! Faudra qu'on soit super prudent, Jeanne. Les attaques... Web, donc on va aller au garage Mamago. L'autre fois, chez Minsu, j'ai repéré un détecteur de perles. Il a l'air correct. Aïlé, Babuka et Issam, le savoir-frère Mamago. Voilà, alors, avant d'aller acheter... on a quelques secondes, donc je vais aller acheter le... Voilà, le rayon neutralisant, et vous allez savoir, vous allez comprendre à quoi il sert. Au prochain épisode. Eh oui, je... Un peu de suspense. Oh, hé. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, j'ai dû passer en clavier américain. Bon, c'est rien. Je... Hop. Non, 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 ressort, 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 ressort. Parce que je vous laisse sauvegarder et puis ben vous dire à bientôt. Voilà. Bon, donc je vais aller donc encoder les différentes parties, les différents épisodes. Et puis nous nous retrouverons pour l'épisode 5 un peu plus tard. Je ne sais pas si... Ouais, je pense donc que l'épisode 1 sera sorti quand je commencerai à tourner l'épisode 5. Je pense. On verra bien. Je vous dis quoi au prochain épisode. Et je vous dis à bientôt.